Merci d'être presque à l'heure à ce rendez-vous, alors qui doit théoriquement s'achever à 15h30. On s'autorisera 15 minutes de temps supplémentaire pour compenser. Donc on se quittera à 15h45. Et nous sommes donc réunis cet après-midi. Bon enchaînement avec ce que nous avons partagé ce matin dans ces plénières. Autour de ce que peuvent apprendre les sciences humaines et sociales sur ces transitions, étant entendu que nous avons bien précisé ce matin que ces transitions n'étaient pas d'abord écologiques, c'est un effet, mais elles étaient avant tout sociales, urbaines, et là sont les causes. Nos invités, un territoire tout d'abord, Losangoël. Qui ne connaît pas Losangoël dans cette salle ? Levez le doigt. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Losangoël en France et dans le monde. Incroyable. Julien Perdrija va nous emmener à Losangoël, joli port de pêche, non. Cité ville du Pas-de-Calais. Et Julien est directeur de cabinet de Jean-François Caron, le maire de cette ville. Et un DIRCAB, je crois que vous allez bien au-delà de vos fonctions de DIRCAB, hein, parce que vous écrivez, vous animez, vous conceptualisez la transition écologique et sociétale de cette ville avec le maire de Losangoël. Et on commencera avec vous dans quelques instants. Et puis, à la lumière de cette expérience, et vous verrez que ce territoire va loin dans sa transformation, dans sa transition, on décryptera tout ça avec Marie-Christine Zellem et Solange Martin. L'une est professeure de sociologie, donc on aura plutôt la focale sociologique avec vous. Et Solange Martin, sociologue également, à l'ADEME, et qui a fait un travail 360 sur les changements de regard et de comportement, et elle nous le présentera, nous partagera. Et puis on reviendra au territoire avec Karine Sage. Vous êtes consultante au sein du cabinet Quadrant Conseil, et vous connaissez bien Losangoël, puisque vous avez réalisé l'évaluation de ce territoire qui a été nommé, désigné ville durable pilote par l'ADEME il y a maintenant 2 ans, 3 ans, hein, à peu près. Voilà. Et puis, bien évidemment, un échange avec vous. J'aime bien cette partie, elle vient bien en écho de ce que nous avons vu ce matin autour des data et de comment vous deviez être à la manœuvre pour organiser, partager et traiter les données publiques de vos territoires afin d'accélérer la transition écologique et sociétale. Alors, Losangoël. Le plus simple, c'est d'abord de vous le montrer, ce territoire. Un reportage que nous avons réalisé il y a un an déjà, mais qui... on l'avait réalisé à l'occasion de la COP21, quelques jours avant la COP21, et vous comprendrez pourquoi on leur en dira deux mots, hein, de ce qui avait failli se faire à Losangoël à l'occasion de la COP21. Donc, quelques jours avant la COP21, on avait réalisé ce reportage qui, en deux minutes, vous présente la ville et ses transformations. Regardez. Des panneaux solaires au pied des terrils, l'image peut surprendre. Il y a encore 30 ans, 5000 mineurs travaillaient ici, à Losangoël. Désormais, plus de charbon, mais de l'énergie verte. On a pu donc tester toutes ces techniques et ces technologies et on est sur l'équivalent de l'alimentation de 20 à 25 maisons. Pour favoriser l'essor du développement durable, la ville n'hésite pas à associer ses habitants dès le plus jeune âge, comme ici avec cet atelier plantation. Plus on les implique jeunes, plus ils vont s'y intéresser, plus ils vont s'impliquer eux-mêmes et participer aussi plus tard aux actions que la ville mettra en place. Là, ce que vous allez faire, vous allez vous découper des morceaux de panneaux. Depuis 2 ans, on vient même se former à Losangoël. 350 jeunes viennent y apprendre les métiers de l'éco-construction pour bâtir les maisons de demain. La ville attire aussi les éco-entrepreneurs comme Roger. Son projet, transformer le marc de café en combustible. Ces déchets devraient se terminer à la poubelle et nous donnons une seconde de vie à ces déchets qui vont être réutilisés. C'est ça l'économie circulaire. Dans cette ville où le chômage est de 18%, 350 emplois verts ont été créés. Paris réussi pour le maire qui souhaite faire de sa ville
un modèle de développement durable. L'intérêt de territoires comme le nôtre, c'est juste de dire, regardez, c'est possible, c'est atteignable. Les abeilles reviennent et la nature réafflue. Mais aussi, on crée des nouveaux emplois sur les énergies renouvelables. En décembre, à l'occasion de la Conférence mondiale pour le climat, une délégation internationale visitera cette ancienne ville minière, devenue l'exemple français de la transition énergétique. Les changements culturels, comportementaux, parlent à l'individu, changement individuel, parle au collectif, à la société, à la communauté, changement collectif, et on verra bien évidemment ces deux aspects. Julien, vous leur expliquez pourquoi on avait fait ce reportage juste avant que le Bourget accueille le monde pour la COP21. Ah, le micro de Julien ne fonctionne pas. Allô. Oui, ça fonctionne. Bonjour. On était censé accueillir la visite de terrain de la COP21. On avait un train de 350 délégataires qui arrivait donc à Lens, pas à Los Angeles, il n'y a pas de gare à Los Angeles, et qui ensuite venait sur la base 1119. La base 1119, c'est un pôle d'excellence du développement durable, mais c'est surtout une ancienne mine de charbon. Donc on a gardé l'outil de travail et on l'a transformé en outil de travail du 21e siècle. Et du coup, il y a toute une série de démonstrateurs sur ce site qui rappelle le territoire charbonnier, des démonstrateurs sur les écomatériaux, les co-transitions, les énergies renouvelables, mais aussi l'agencement d'acteurs, la coopération, la biodiversité, etc. Et c'est surtout très marquant parce qu'on a en fond de scène, donc pour les médias, c'est génial, les deux plus hautes terris d'Europe, donc des montagnes faites à main d'homme qui ont été recolonisées par de la biodiversité, et qui sont juste la dette en carbone de notre système industriel. Hauteur précise des deux terris ? 186 mètres. La hauteur de la pyramide de Khéops, hein ? Oui, ça doit être équivalent. Voilà. Alors, sur cette ville, donc vous avez compris qu'elle se situait dans le Pas-de-Calais, sur le territoire de l'ancien bassin minier, on a tous les ingrédients pour ausculter les conditions de la transformation et de la transformation individuelle et collective. On se met à l'époque de la fermeture des derniers puits de mine. Hein. Ils avaient tout ce qu'il fallait là-bas. Les plus forts taux de pollution, les plus mauvais indicateurs sociaux, taux de chômage, les plus mauvais indicateurs de santé dans une région qui n'est déjà pas gâtée, friches industrielles en déshérence, territoire complètement oublié par les pouvoirs publics, il y avait tout. Par quel bout, à l'époque, le territoire prend en main sa résilience et comment tout de suite il engage la population ? Racontez-nous l'histoire. C'est une histoire, justement. C'est une mise en récit. Los Angeles, c'est donc 7000 habitants, une petite ville à côté de Lens, dans une métropole diffuse. On a à peu près 120 km de long, 12 de large et 1,2 de profondeur. C'est le bassin minier. Et donc cette petite ville de Los Angeles est située dans cette nappe urbaine dans laquelle on a creusé près de 100 000 km de galeries souterraines pour extraire du charbon. 100 000 km, c'est 2,5 fois le tour de la Terre. Los Angeles, on a 8 terris dans les années 80, plusieurs puits de mine. Toute la population est directement ou indirectement concernée par l'exploitation du charbon. On est mineur de père en fils. Il n'y a pas d'autre perspective que d'être mineur ou de travailler pour la mine. Le fait urbain s'est organisé autour des puits de mine. On a créé les cités minières autour des puits et toutes les activités socio-culturelles dans les cités minières autour des puits. Et donc dans les années 70-80, quand la fin du charbon est annoncée, parce que le charbon français n'est plus assez compétitif, c'est tout un système économique, social, sociétal qui s'effondre. Il n'y a pas de plan B. Les plans qu'on évoque à l'époque sont de déplacer les villes et de les rapprocher des villes où l'économie marche encore à peu près. Donc en fait, on efface et puis on recommence. Et à Los Angeles, ce qui s'est passé, c'est un refus de ça. Et donc, en acceptant le choc de la fermeture des mines, c'était de se demander quelles seraient les étapes à venir. Et donc, il y a eu tout un travail
à partir des années fin 70, début 80, d'écriture, de mise en trajectoire, c'est-à-dire de considérer d'où la ville venait, d'où elle était partie, où elle était présente aujourd'hui, quelles étaient les caractéristiques, pourquoi c'était comme ça, avec autant de dégradation, pourquoi le sol s'est affaissé de 15 mètres, pourquoi on a une des eaux les plus polluées de France, pourquoi voilà, toutes ces difficultés, et de commencer à se projeter. Et cette mise en trajectoire, elle a été outillée de plein de manières, mais avec au démarrage surtout une dynamique culturelle qui s'est enclenchée. Donc sur la base de premiers récits, de premiers livres qui expliquaient l'histoire de l'Haut-Saint-Goël, d'où la ville venait, quelles étaient les étapes à venir, s'est mise en place une approche narrative participative. J'éclate complètement ma présentation prévue. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Racontez-nous l'histoire. Et donc on a, on peut peut-être passer la slide suivante dans ce cas-là. Voilà. On a en 1984 un premier événement qui se met en place, qui s'appelle les Goéliades. C'est un festival populaire, au sens où ça rassemblait toute la population de la Goëlle, hein, l'os en Goëlle. La Goëlle, c'est le territoire un peu plus vaste que la ville, et qui visait simplement à créer l'espace de vulgarisation de la culture populaire locale. Je vous coupe 10 secondes. Au début de cette transformation, c'est ce que j'ai compris sur le schéma précédent que je vous remets rapidement, il y a nécessité de créer un nouveau cadre de pensée pour le territoire, pour les habitants. J'aime bien le « il n'y a pas de plan B ». Comment vous l'avez, enfin ils l'ont, vous n'étiez pas né vous, comment ils l'ont vendu aux habitants ça? Mais en fait justement c'est pas vendu, c'est-à-dire que ça a été co-écrit, co-animé. Dès le départ, en fait 84, cette date-là elle est clé. En fait si je vous raconte tout ça c'est parce qu'avant d'être directeur de cabinet j'ai été chargé de récit dans cette ville. Donc en gros mon job a consisté à dormir chez l'habitant, à discuter avec les acteurs locaux, à avoir un pied dans la mairie, vérifier que tout ce qu'on racontait et que Jean-François Caron racontait, était analysé, évalué. Enfin, je faisais une petite évaluation interne, et en même temps, de passer du temps avec la population pour comprendre si finalement cette mise en trajectoire et les projets qu'on proposait, d'un point de vue municipal, étaient appréhendés, compris, et puis mis en place aussi par les acteurs. Donc, effectivement, je n'étais pas né en 84. Les Goéliades, c'est un temps fort parce que ce qui se passe surtout, au-delà d'avoir une des eaux les plus polluées de France, au-delà d'avoir le sol qui s'affaisse de 15 mètres, au-delà d'avoir un pays noir complètement meurtri, il y a surtout une estime de soi qui est fortement dégradée, mais fortement. Les gens avaient honte de ce qu'ils étaient, alors qu'ils étaient les premiers ouvriers de France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 80, ils ne sont plus rien. C'est les gueules noires. Et donc ce festival, il organise des temps de célébration collectifs à l'échelle locale avec les uns et les autres qui participent à la construction du festival. Et ce qui se passe surtout, c'est qu'on met en place des spectacles participatifs. C'est la première fois qu'on a des habitants acteurs. Et après, on va définir un cap. Après, on va faire de la démocratie participative. Après, on va avoir une politique, une ingénierie de la transition qui va se mettre en place avec un cap qui se définit. Mais au démarrage, il y a surtout la culture comme levier de transformation et changement de regard. Donc ça c'est important, hein, et je le note, parce que lorsqu'on regardera et on analysera tout à l'heure les changements de comportement par rapport à notre problématique de transition écologique, vous dites, vous, socle indispensable, organiser le changement de regard et des temps forts, j'aime bien votre terme, de célébration collective. C'est un passage obligatoire, c'est le début de l'histoire, ça. En tout cas, c'est ce qui explique aujourd'hui le fait que Haut-Saint-Goël est ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville pilote du D'accord. développement durable. Ça a commencé là. Ok. Et redonner la fierté aux gens. Et accueillir le choc en 1986, c'est la fin de la mine. Voilà. Bachelet, il chante en 82. Au nord, c'était les corons. 86, c'est la fin de la mine. Il n'y a plus de charbon à Haut-Saint-Goël. Le modèle économico-social s'écroule. Ben, c'est pas grave. On a ces temps forts collectifs qui nous permettent d'accueillir le nouveau monde qui n'est pas encore là, mais qui naît, et de faire le deuil de celui qui meurt. Et c'est à partir de là que se met en place une trajectoire qui va ensuite
permettre à chacun de s'impliquer dans un diagnostic social et environnemental, de faire le point sur ce qui va pas, du fait de la mairie, parce que la mairie organise les réunions publiques, mais aussi du fait d'experts, elle s'outille, elle fait intervenir des sociologues, elle fait intervenir des urbanistes, des paysagistes, qui viennent écouter ce qui remonte dans ces réunions publiques et qui les qualifient en plan d'action. Et pour ça, on se saisit d'une opportunité qui est le plan d'occupation des sols qui doit être révisé en 1995. À ce moment-là, Jean-François Caron est membre de l'équipe municipale. C'est son père qui est maire. Hein. C'est Marcel Caron qui est maire, effectivement, et qui vient de la logique autonomiste. Il était chef d'entreprise d'une SCOP avec des fortes valeurs d'entrepreneuriat social. Et donc Jean-François Caron, à ce moment-là, est conseiller municipal. Mais il est déjà conseiller régional, hein, il a monté la chaîne des Terris, la première association qui a permis de se rendre compte qu'en fait le bassin minier c'était un territoire uni, parce que ça va pas de soi qu'on ait un même territoire et qu'on a une même communauté de destin. On est séparés par des terris, par des voies ferrées, par des usines, et en fait on n'a pas une identité commune. Et la première association qui a permis de créer les fondements d'une identité collective et donc d'une identité narrative, ça a été cette chaîne des Terris qui visait simplement à repérer les éléments de biodiversité qui recolonisaient les Terris, les oiseaux rares, les crapauds, toute une série de fleurs, de flore qui intervenaient, qui reprenaient vie sur ces Terris. Donc le plan d'occupation des sols doit être révisé. Plutôt que de se dire on va faire un plan d'occupation des sols à dire d'experts, on va surtout s'offrir l'opportunité, à partir de cet outil technique, d'aller au-devant de la population, puis d'entendre les points de vue, d'entendre les divergences, de mesurer les écarts, de qualifier les attentes, de les transformer en besoins concrets, et de mettre tout le monde autour de la table. Ça a mis 5 ans. Et c'est seulement en 2000, c'est seulement en 2000 que naît la charte du cadre de vie. C'est une des premières chartes d'écologie urbaine en France. Et donc, il y a un processus long qui a maturé et qui permet de définir les grandes priorités. Les grandes priorités, c'est on a une des eaux les plus polluées de France. On va recycler toute l'eau qu'on peut. Aujourd'hui, on a 3 semaines d'autonomie en récupération d'eau de pluie pour tous les bâtiments publics et les usages de la ville. On consomme quasi plus d'eau du réseau. On a un pays noir meurtri avec peu de biodiversité. On va créer un plan paysager. Aujourd'hui, on a 15 km de ceinture verte à travers la ville qui permet de se déplacer, mais qui sont aussi des corridors biologiques de repénétration de la biodiversité en ville. On avait le charbon gratuit. On était un territoire de l'énergie. Développons à nouveau les énergies gratuites, les énergies renouvelables. Favorisons le photovoltaïque, allons vers ces nouvelles choses. Et donc tout ça se définit dans les années 2000. La charte du cadre de vie, c'est un peu notre agenda 21. Il manque finalement le volet économique, parce qu'à cette époque-là, économie de la fonctionnalité et de la coopération, économie circulaire, c'est pas vraiment dans le vocable. On sent bien qu'il y a un nouveau modèle économique à inventer, et même si aujourd'hui on a plus de vocabulaire pour le qualifier, il reste encore compliqué. Donc imaginez il y a 15 ans. Alors, le volet économique, on l'a aussi un peu vu dans le reportage. Juste une session quand même, on aura observé tout le pilotage de ce processus se fait sur une échelle temps qui va bien au-delà d'un mandat municipal. Hein ? Non, mais parce qu'il y a une prise de risque au début. Hein. Je déconstruis tout et je reconstruis. Dans sa courbe, il y a une période de mise en fragilité de la gouvernance locale. Je ne comprends pas, une mise en fragilité. Mais à un moment, Jean-François, son père à l'époque, et Jean-François, quand ils disent aux gens « Allez chiche, on va se transformer », il se met en fragilité en disant ça. Il en est certain, mais les parties prenantes, pas sûr. Hein. Ouais, c'est très compliqué, mais à ce moment-là, on n'affirme pas haut et fort qu'on va changer le monde. On dit simplement « On va améliorer la qualité de vie. Vous voulez vous déplacer tranquillement dans la ville, on fait une ceinture verte ». Et chacun s'approprie la ceinture verte. Le monsieur qui va promener son chien, il est fan de la ceinture verte. L'ornithologue qui est fan des oiseaux, lui, il comprend qu'en plus, c'est un corridor biologique et donc il est d'autant plus fan de la ceinture verte. Mais en fait, il y a différents niveaux d'appropriation. Et quand on parle de politique de résilience, de ville en transition,
nous, on l'affirme à peine, en fait, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne labellise pas ce qu'on fait, on le fait et ça marche. Il nous reste 2 minutes et il faut nous dire 2 mots. Alors, du dernier volet, parce qu'il y a c'est même pas une conséquence. L'aboutissement démocratique, oui, de cette trajectoire-là. Alors, ce qui se passe, donc aussi là, on intervient à plusieurs échelles. Hein. Jean-François, j'ai dit, il est conseiller municipal, mais il est aussi conseiller régional. En 2001, il devient maire. Donc, vous voyez la courbe qui, c'est une modélisation, hein, bien sûr, dans le réel, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas aussi fluide, mais c'est une représentation. Il arrive avec son mandat de vice-président à la région à créer les nouveaux outils de développement économique. Le CERD, Centre de ressources du développement durable, qui intervient d'ailleurs là dans les assises, ils ont des ateliers, et donc ils visent à outiller les acteurs publics sur les métiers de la transition. Et le CD2E, qui lui est le pendant du CERD, mais sur le développement économique pour les entreprises, et qui vise à outiller tous les acteurs de l'éco-transition, les entreprises, les réseaux d'entreprises, etc. La base 11-19 dont je parlais, vous avez vu la photo des années du 19e siècle, mm-hmm, tout à l'heure, elle est donc transformée. Le CERD et le CD2E s'implantent sur cette base 11-19 et complètent l'écosystème avec la chaîne des terris dont j'ai parlé sur la biodiversité et aussi culture commune, parce que une association de vulgarisation culturelle et de fabrique théâtrale s'implante à la fin des années 90 sur le 11-19 de par la forte dynamique culturelle enclenchée. Ça crée les fondements du nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'on a tous les piliers rassemblés là sur un même site qui parle du monde d'hier, mais qui, mmh, évoque aussi le monde de demain. J'arrive du coup sur la légitimité démocratique. On a mis en place le programme municipal, cette charte du cadre de vie, elle est appliquée. On lance les premières expérimentations. Outillées avec le CD2E, on commence à parler donc de d'éco-réhabilitation des logements. On expérimente le HQE. Il y a vraiment de la mise en pratique sur le terrain, et ça, c'est aussi un des éléments de méthode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un plan formalisé où tout est parfait avant de se lancer dans la mise en œuvre. La charte du cadre de vie n'était pas sortie, qu'on sortait déjà des premiers bâtiments HQE. Alors, c'est loin d'être parfait à l'époque, mais c'était une première avancée. Et en 2008, au moment des réélections, Jean-François Caron et son équipe sont élus à 82,1% des voix. Et à 15 km de là, il y a le Front National qui arrive. Oui, on est tout à côté des Nimbaumont. Et donc, il y a, dans la tête de tout le monde, il y a quelque chose qui se déclenche, c'est-à-dire que, un, c'est possible, deux, une politique de développement durable revendiquée, mais pas revendiquée au sens où on labellise tout, mais revendiquée parce qu'elle répond aux besoins concrets des gens là, sur le terrain, et ça marche fortement. Et dans la durée. Alors, mesdames, messieurs, vous allez retenir ce schéma-là. On ne va pas le décrypter parce que vous comprenez qu'on a là le système de la transformation. Et vous avez compris aussi que la transformation qu'il mène parle au collectif et en même temps à l'individuel. J'irais même d'abord l'individuel et en même temps au collectif. C'est un bon outil de travail, ça, parce que ça peut inspirer vos accompagnements de changement de comportement sur vos territoires. Juste un mot, Julien, c'est la méthode Caron, ça, l'étoile et petits cailloux blancs. Juste un mot là-dessus. Ouais, c'est la méthode Caron parce qu'il le professe à chaque fois. D'ailleurs, on a plein de mantras comme ça à Los Angeles, de petites phrases comme ça qu'on se répète tous les matins avant d'arriver au boulot, mais parce que ça marche. L'étoile et les cailloux blancs, c'est de dire qu'il faut avoir un idéal très fort, un rêve. Jean-François Caron parle de rêve. Il faut l'affirmer et il faut se mettre à rêver. Donc, il faut oser, en gros, rêver. Et les petits cailloux blancs, c'est toutes les petites étapes qui vont nous permettre d'atteindre ce rêve, d'atteindre cet idéal et donc de montrer que le chemin est en train d'être balisé et de permettre à chacun de rejoindre ce chemin pour atteindre le rêve. Donc les Goéliades, c'est un caillou blanc, le cerf de c'est un caillou blanc, toutes ces étapes qu'on a vues dans votre trajectoire, ce sont des cailloux blancs. Oui, tout à fait. Pour aller vers le rêve qu'on n'atteindra jamais. Et dont on essaye de se rapprocher indéfiniment. Et c'est ça qui compte. Très bien. Alors, c'est passionnant, hein. Et le décryptage rapide qu'on a fait de cette expérience parle évidemment à notre sujet. Je peux avoir votre commentaire, Solange Martin, sur cette expérience lossoise, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, lossoise. Oui, alors, déjà j'arrive à faire marcher le micro, c'est un bon début. Bonjour à tous.
Effectivement, je trouve ce qui est très intelligent dans l'expérience de l'Ossan Goël, c'est de ne pas avoir fait de scission entre les actions au niveau individuel et collectif. C'est une vraie intelligence, une vraie dynamique collective qui arrive du coup à emmener les individus. Et ça, c'est juste nécessaire. Et c'est un peu tout l'objet du travail que j'ai réalisé avec ma collègue Alban Gaspard à l'ADEME. Alors, vous allez nous en parler dans quelques instants, le comportement, faire évoluer les comportements, ce que les sciences humaines nous disent aussi, hein, et comment elles peuvent éclairer votre action. Juste avant, on va découvrir Sarah et son histoire. C'est un tuto qui est bien foutu, qui est à disposition, hein, si vous souhaitez l'utiliser, parle de la life de Sarah, comme on dit, et de comment elle peut faire évoluer son regard et donc ses postures. On découvre Sarah. Changer les comportements pour un mode de vie plus durable. Faire changer les comportements pour adopter un mode de vie plus durable, c'est possible, mais ce n'est pas si simple que ça. Prenons l'exemple de Sarah, qui habite et travaille en ville. Sarah est sensibilisée aux problèmes environnementaux. Elle est parfaitement consciente qu'il est important de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, elle continue à prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail plutôt que d'utiliser le vélo, les transports en commun ou le covoiturage avec ses collègues. Les campagnes de sensibilisation sur l'environnement ont été efficaces pour lui faire prendre conscience des enjeux. Mais elles ne sont pas suffisantes pour modifier ses habitudes. Alors comment faire pour qu'elle utilise moins souvent sa voiture ? Il faut agir sur plusieurs leviers et à plusieurs échelles. Tout d'abord, s'adresser directement à Sarah pour changer son idée des transports en commun et lui montrer que c'est une option intéressante en lui permettant, par exemple, de les tester gratuitement ou l'inciter à utiliser un vélo grâce à des indemnités kilométriques. Sarah peut également être motivée par les personnes qu'elle côtoie. Ses collègues et ses voisins qui font déjà du covoiturage peuvent lui montrer que c'est possible de se passer de sa voiture pour aller travailler. À l'échelle de la société, différentes solutions sont possibles. Par exemple, que Sarah dispose d'applications pour trouver le moyen de transport le plus adapté. Rassurer Sarah sur le covoiturage grâce à des systèmes de notation sur la fiabilité des covoitureurs. Interdire la circulation routière en centre-ville aux véhicules les plus polluants ou en cas de pic de pollution. Les habitudes de Sarah peuvent aussi évoluer avec les infrastructures qui sont mises à sa disposition. Par exemple, si son employeur aménage un local vélo. Si les pouvoirs publics développent des pistes cyclables, des transports en commun ou encore réservent certaines voies de circulation aux covoitureurs. Ce ne sont que des exemples. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une multiplicité de choses à faire et de moyens à mobiliser. Réussir, c'est combiner différentes actions menées par différents acteurs à différentes échelles. De nombreux acteurs agissent déjà, mais il est nécessaire d'amplifier le mouvement. Alors comment les aider à choisir le dispositif de changement de comportement le plus adapté ? En s'inspirant des résultats des sciences sociales pour gagner en efficacité. Celle-ci aide à comprendre ce qu'il se passe à chacune de ces échelles. L'économie nous explique comment se prennent les décisions pour acheter et investir. La psychologie nous éclaire sur les processus mentaux, les pensées, les émotions et leur lien avec les actions. La psychosociologie nous montre l'influence des groupes sur l'individu. La sociologie nous dévoile comment les pratiques individuelles sont le reflet de la société dans laquelle l'individu évolue. Retrouvez ces éléments d'analyse et bien d'autres exemples pour mener des actions efficaces. Dans notre ouvrage, Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité. Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité, donc l'ouvrage en question que vous avez co-commis. Il est en libre accès sur le site, hein, je crois. Il est tout à fait en libre accès sur le site de l'ADEME. Sur le site de l'ADEME, le plus simple, c'est taper changer les comportements sur Google et vous y arrivez, plus ADEME, et vous y arrivez très facilement. Et le film également en libre accès sur YouTube. Très bien. Et vous savez quoi ? Sarah habite Ossan Goël. Bah ouais, quand on dit s'adresser à elle d'abord, c'est le début de l'histoire. Hein. Il a fallu s'adresser à l'habitant, aux mineurs, à la famille de mineurs. Ensuite, je note, deuxièmement, organiser une contamination, Sarah et son environnement. Et puis, une question d'infrastructure également,
bien évidemment, quand vous mettez en place vos dispositifs, vos outils et vos infrastructures sur le territoire. Alors, on va revenir un peu, il faut qu'on décrypte tout là. C'est pour vous, Julien, le dessin là. Alors, on va revenir sur les fondamentaux. On est là pour essayer de bien comprendre, pour mieux agir. On peut revenir tout d'abord sur le phénomène comportement, changer de comportement, faire évoluer le comportement. Décryptez-nous la complexité de tout ça. C'est une petite histoire, tout ça. Dans les politiques publiques environnementales, il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas eu cette plénière, voire il y a 10 ans, on ne l'aurait pas eu non plus. Donc déjà, souvenons-nous que même si on a parlé aux citoyens dès les premiers chocs pétroliers à base de voilà, 19 degrés, ça suffit, ou la chasse au gaspille, néanmoins, les pouvoirs publics se sont beaucoup attachés au début à travailler à l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique, c'est très pratique parce que ça permet de changer les équipements, d'améliorer leur performance et de surtout ne rien toucher au mode de vie. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Néanmoins, il y a eu un tournant relativement récent qu'on peut dater de 2006 d'une circulaire de la Commission européenne qui a dit la technologie, ça fera pas tout. Il va falloir faire autrement et surtout le gisement principal d'économie d'énergie, il est dans les comportements. Alors, sont venus vers nous un certain nombre de demandes de la part de nos collègues et de nos partenaires à l'ADEME que sont les collectivités. Alors, un petit peu sur le mode ingénieur, c'est-à-dire, alors vous, sociologue, est-ce que vous pouvez me trouver le bon boulon pour faire en sorte que Sarah et les autres fassent ce qu'il faut dans le cadre de la transition écologique ? Avec une demande qui était aussi un peu, mais pourquoi ils font pas ? On comprend pas. Voilà, ils sont un peu bêtes, pas forcément parce qu'elle a voté ce qu'elle a voté. C'est tellement du bon sens, c'est tellement mais, évident. Voilà, mais parce qu'elle continue de prendre sa voiture, etc. Donc, avec une demande envers les sociologues que nous sommes avec Alban, Gaspard, en termes de comment on lui fait changer de comportement, qui est plutôt un questionnement qu'on pourrait adresser aux psychologues. Voilà, c'est quoi ces freins à l'action ? Et nous, en tant que sociologues, je pense que Marie-Christine Zellem ne contredira pas, comportement, ce n'est pas une notion qu'on utilise. C'est un comportement, c'est vraiment une manière de voir les choses qui est propre à la psychologie et à l'économie. En sociologie, on parle de pratiques sociales, d'usage. Donc déjà, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait peut-être prendre le temps un petit peu de clarifier tout ça, de rappeler aussi que les humains ne sont pas des machines et qu'il n'y a pas le boulon miracle qui va tout faire, que tout ceci est malheureusement un petit peu plus compliqué que ça, mais que néanmoins, il y a des choses à faire aussi et une multiplicité de choses à faire. Et l'autre difficulté qu'on a ressentie auprès de nos interlocuteurs, c'est une habitude de voir l'individuel et de ne pas arriver à faire le lien avec les logiques collectives, qu'elles soient proches ou plus lointaines. Et puis également, une tendance à vraiment scinder d'un côté l'humain et de l'autre côté la technologie et le matériel. Et pas arriver à penser toutes les interactions qu'il y a entre nous autres humains et l'environnement dans lequel on est. Donc c'est le petit graphique de gauche où on a des grosses patates imbriquées les unes dans les autres. Et l'idée, c'est que si vous voulez faire changer les comportements ou les pratiques sociales, c'est vrai qu'intuitivement, on va regarder l'individu. Alors, tout à fait, il faut lui parler. Ça, c'est ce que fait... Alors, c'est un peu à la hache ce que je vais vous raconter en termes de positionnement des différentes sciences humaines et sociales. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des sous-courants qui vont... Mais en gros, sur la focale individuelle, vous allez avoir la psychologie et l'économie. Et puis, nous ne sommes pas, vous et moi, des Robinson Crusoé séparés les uns des autres. On vit, on est des animaux sociaux. Et notamment, on vit dans des petits groupes. Alors que ça peut être la famille, évidemment, les collègues, le voisinage, les réseaux d'amis. Alors, ce qui caractérise un petit groupe, c'est l'idée que vous avez des liens relativement intenses et relativement pérennes. Donc les gens avec qui j'ai partagé le compartiment de TGV ce matin, ça faisait pas un petit groupe, c'était de la coprésence. Après, il aurait été en panne pendant 3 heures, on aurait pu peut-être finir en petit groupe, mais ça ne s'est pas produit. C'est pour ça que je suis là. Une asso de parents d'élèves, c'est un petit groupe ? Ça peut être un petit groupe, tout à fait. Il commence à y avoir des choses qui sont de l'ordre de la normativité, de l'affectivité entre les gens.
Et puis ces petits groupes, bah, ils baignent aussi dans des collectifs humains qui sont plus larges, que sont déjà bah, les classes d'âge, les catégories sociales, mais aussi bah, les cultures, cultures d'un territoire, les sociétés, voire les civilisations et l'humanité tout entière. Et ça, cette focale-là, c'est vraiment la focale de la sociologie. Alors entre les deux, vous avez la psychosociologie, mais vous pouvez avoir aussi la microsociologie qui est dans les jeux d'acteurs. Je vous passe les détails. Ouais. C'est quand même une cartographie qui permet de se repérer. Sachez quand même que voilà, c'est un petit peu grossier. Et donc, vous avez différentes focales du micro au macro, et tout ce monde-là est donc dans un environnement matériel et physique que va regarder à la fois l'anthropologie particulièrement, mais aussi bah, l'économie, puisque c'est la circulation des biens et des services, donc ils sont aussi plus structurellement à prendre en compte l'environnement. Alors, voilà une proposition, une méthode pour déployer une action locale, l'individu, les petits groupes et ensuite les catégories sociales plus élargies. Alors maintenant, je me mets de l'autre côté et une autre question, une question que peuvent se poser ceux qui conduisent, qui animent, qui proposent et déploient ces changements de comportement. C'est l'élu, mais ça peut être aussi le chef d'entreprise, l'enseignant. La question qu'ils peuvent légitimement se poser, c'est « Mais en quoi j'ai le droit de dire aux gens « tu dois changer » ?» C'est antidémocratique presque. Alors, rassurez-les là-dessus. C'est une très bonne question. Les pouvoirs publics ne sont pas des autorités morales et religieuses. Et jusqu'à preuve du contraire, on est en démocratie. Et là, ils vont dire « Tiens, tu peux peut-être faire autrement. » Enfin, tu dois même faire autrement, parce que la loi, elle le dit aussi. Alors, petit détour par l'histoire, c'est pas récent que les politiques publiques s'intéressent au comportement des gens. On peut au moins dater ça du 19e siècle avec les politiques hygiénistes. Plus récemment, vous avez aussi toutes les politiques en matière de sécurité routière ou d'addiction. Et ce qui légitime à chaque fois l'action des politiques publiques, c'est d'une part que l'individu aille contre son propre intérêt. Donc, par exemple, je bois, je mets ma santé en danger, mais par ailleurs, je mets aussi ma vie en danger sur la route. Et puis que les actions individuelles ont des conséquences négatives ou positives pour le reste de la société. C'est ce que les économistes appellent des externalités. Donc si vous prenez le volant en ayant beaucoup trop bu, vous mettez votre vie en danger, mais aussi celle des autres. Et les pouvoirs publics étant garants de l'intérêt collectif sont tout à fait légitimes à prendre en compte cet aspect du comportement individuel qui a des conséquences sur le collectif. Donc ils peuvent être rassurés. Après, il faut rester dans le cadre du bien commun, évidemment. Donc toi qui as une cheminée à foyer ouvert, expose la santé de tes voisins en diffusant des particules de manière inconsidérée. C'est ça. Comment savez-vous que j'ai une cheminée à foyer ouvert je n'utilise absolument pas pour que justement... Vous, je ne vous tutoie pas. Non, mais je pensais aux habitants de la vallée de l'Arve, par exemple, ceux de mon quartier. Non, mais c'est ça un peu. Oui, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire, il y a des conséquences. Et pour le coup, ce n'est pas seulement les autres de maintenant, c'est aussi les générations futures. Donc, c'est dire qu'il y a du monde dans la balance pour contregarer l'infinité de la liberté individuelle. Encore deux questions. C'est bien d'être à un moment un peu pédago là, pour bien comprendre les enjeux. Je vais devoir mener des actions qui incitent. Ce serait bien de ne plus avoir de cheminée à foyer ouvert chez vous. Et puis, des actions coercitives. Vous faites ça, si vous ne faites pas ça, vous passez à la caisse. Alors, comment on fait la part des choses? Comment on mène les unes et les autres? Alors, pour le coup, je veux bien la diapo suivante. Voilà, quand nos collègues nous interpellaient sur la question du changement de comportement, ils avaient aussi en tête l'idée d'un comportement volontaire qu'on incite par différentes méthodes. Alors, et qu'on incite surtout avec des méthodes de com, on va dire. Et on s'est dit qu'il y avait toutes les sciences sociales et humaines et sociales pointent vers des leviers d'action qui fondent un certain nombre d'outils qui sont beaucoup plus larges que ça. Alors, vous avez en gros les instruments qui sont à disposition des pouvoirs publics, les instruments incitatifs, dont les instruments économiques, car je rappelle que ce ne sont pas des contraintes, même si évidemment il y a une contrainte budgétaire derrière, ce sont des incitations économiques. Vous avez les incitations via le matériel,
ça peut aussi être parfois de coercitif, et puis donc tout ce qui est les instruments d'information et de communication, et puis les instruments juridiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un moment où le pouvoir public est légitime à dire il faut ou il ne faut pas, voilà, on a un pic de pollution de l'air, on ne peut pas se permettre de... Et donc, toutes ces différentes palettes d'outils doivent être utilisées à différents endroits pour répondre... pour être à la hauteur des enjeux, si vous voulez. Et dans le film de Sarah, on voit bien que si on ne fait que lui parler, on prépare le terrain. Mais le changement de comportement, le changement de pratique, c'est conditionné par plein de choses. C'est conditionné par les habitudes. Alors les habitudes, c'est vrai que l'entraînement du groupe, ça permet plus facilement de changer les habitudes, parce que c'est au niveau des petits groupes que se jouent les normes, la normativité sociale la plus forte. Donc ça, ça peut entraîner. Mais si elle veut faire du vélo et qu'il n'y a pas de piste cyclable, elle ne va pas non plus passer le cap, même si elle a d'autres collègues qui sont plus casse-cou et qui y vont. Donc il faut aussi l'accompagner via, et s'il n'y a pas non plus d'hangar à vélo chez son employeur, elle ne va pas le faire non plus. Et puis, si ça lui coûte beaucoup plus cher de prendre un vélo parce qu'il faut que, elle a besoin d'un vélo électrique, il y a des côtes, etc., c'est quand même 2 000 € quasiment l'achat, que par ailleurs, derrière, elle renonce à son indemnité kilométrique, voilà. Il faut aussi la petite incitation économique qui va bien. Et si vous alignez tout, il y a des chances que ça rabouge. Mais il y a une autre flèche. Alors, c'est pour vous, c'est à droite. Si on revient sur le... Il ne faut pas que je lise le dessin tout de suite. L'autre flèche, c'était de dire que tous ces instruments que vous pouvez mettre à destination de Sarah, il faut aussi les utiliser envers les acteurs qui ont un rôle dans le comportement de Sarah. Donc ça peut être son employeur, ça peut être l'offre économique, ça peut être... Voilà. Donc tous ces instruments, si vous voulez faire changer le niveau individuel, pour être clair, ça ne vous dispensera jamais d'œuvrer à des niveaux collectifs et auprès d'autres acteurs que l'individu final en bout de chaîne. Une dernière... Oui. Je reviens bien le... du coup le dessin ça nous que j'ai concerne, pas vu. Ça nous concerne tous les deux, Solange, c'est tombé. Ça ne les regarde pas. Ce sont nos comportements individuels qui sont en cause. Une dernière question, tiens. Elle m'est inspirée d'un élu que je rencontrais la semaine dernière. Ah, c'est ça. Non, on a déjà parlé à d'autres assises, voilà, d'une certaine familiarité, mais qui n'a jamais été au-delà d'une estrade. Donc, en plus, vous n'assumez pas. Non, une dernière question d'un élu que je rencontrais la semaine dernière. Ça fait un an qu'il a dans sa tête, jeune élu de votre coin, qu'il a dans sa tête de transformer la politique déchets. Et ça fait un an qu'il veut franchir une première étape avec un apport volontaire. Il avait contre lui, c'est une interco, hein, il avait contre lui tous ses collègues, la population, hein. Et là, la semaine dernière, il me dit, écoute, j'ai soufflé un grand coup et je l'ai fait quand même. Bon, mais dur, hein. Quelles sont les difficultés à surmonter lorsqu'on organise des changements, voire des ruptures sur le territoire? En l'occurrence, il y avait un sociologue de l'innovation, il s'appelle Norbert Alter, qui caractérisait les innovateurs comme des déviants. C'est vrai que changer, innover, c'est toujours être déviant par rapport à une manière de faire, par rapport à une norme, donc c'est toujours se mettre un petit peu en danger. En même temps, je dirais que la première difficulté, c'est d'y aller en méconnaissance de sa cible, c'est-à-dire en gros du public final. Donc, il y a certainement plein de difficultés politiques, plein de difficultés institutionnelles. Néanmoins, la première difficulté, c'est de ne pas connaître à qui on a affaire. Donc, ma première recommandation pratique, c'est prenez le temps de connaître, via des études sociaux, psychosociaux, d'ergonomie, la population à laquelle vous vous adressez. C'est-à-dire, pas y aller en imaginant un individu moyen, en projetant sur lui un certain nombre de choses qui sont en fait vos représentations et pas les siennes, en prenant bien en compte son réseau de contraintes, ses motivations, et en ajustant, en faisant quelque chose qui est assez à la
la mode, ça s'appelle du design de service, mais on peut faire du design de service ou de mesure de politique publique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment voilà, d'adapter les outils à la population qui est ciblée par la politique qu'on veut mener. Et ça, en règle générale, les gens prennent peu le temps de le faire, parce que ça prend du temps, et puis c'est un peu compliqué, c'est pas forcément dans la culture des agents de la collectivité, mais il y a plein de cabinets de consulting privés en sciences humaines et sociales qui font ça très bien. Et puis l'autre exigence, c'est prenez le temps également d'évaluer, prévoyez ça dès le début de vos programmes, parce qu'on manque cruellement dans ces actions d'évaluation et de capitalisation aussi, et donc ce qui permet après l'échange des bonnes pratiques, évidemment. Bien sûr. Ben, c'est votre boulot, vous, entre autres, ça. Alors, d'accord avec votre collègue, Marie-Christine Zellem ? Oui ? Bon, ben super. Alors, en même temps, j'ai envie que vous mettiez un peu les pieds dans le plat, là, dans notre discussion. Solange Martin nous a bien qualifié l'approche de l'individu du collectif, nous a donné quelques clés de compréhension pour organiser les changements de comportement et de regard. Et puis quand je lis ce que vous produisez, hein, vous cherchez beaucoup sur les modes de réception des politiques publiques, et notamment environnementales, sur les résistances aux innovations, elles sont nombreuses, qu'elles soient technologiques ou sociales, et je lis que vous vous dites « ne vous fatiguez pas à changer les comportements » parce qu'il faudrait d'abord changer ce qui les structure. Expliquez ça. Prenez le micro. Oh, pardon, je vous le donne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de me faire participer à cette table ronde. En tant que sociologue, c'est vrai que c'est particulièrement motivant. Les slides ne sont pas du tout dans le bon ordre. Ah, c'est la première. Hein. Non, non plus. La première... Voilà. Oui, d'accord. Non, pas celle-ci, mais l'autre. L'autre, c'est le plan, mais on ne va pas faire une intervention universitaire. Répondez à ma question. Mais c'est important, parce qu'en fait, ma posture est de dire que aujourd'hui, on analyse la transition énergétique comme devant s'appuyer sur un certain nombre d'outils, de dispositifs, etc. Et on a tendance à zoomer maintenant sur la question du comportement. Mais de mon point de vue, on zappe un certain nombre d'étapes qui sont absolument incontournables et nécessaires. Tout d'abord, c'est le niveau approche technicienne de ce qu'est cette transition. Ensuite, c'est la problématique de la croissance qui habite nos croyances. Et donc ça, c'est deux éléments qui viennent parasiter complètement la problématique et la dynamique vers laquelle on tend. Sachant que ces deux paradigmes, paradigme technicien et le paradigme de la croissance, en fait, reposent ensuite sur deux utopies. Je parle d'utopie, l'utopie de l'empowerment que je vais développer, l'utopie de l'accompagnement, donc qu'on vient d'évoquer, et qui reste quand même quelque chose de l'ordre de la croyance. Donc, ce que je voudrais arriver à montrer, c'est que la transition énergétique aujourd'hui est une transition un peu déculpabilisante et qui s'environne d'outils pour cela. Et j'insiste pour qu'on montre cette diapo parce qu'en fait, selon moi, il y a un seul scénario réaliste, c'est celui du négawatt, qui repose sur un triptyque qui est fondamental, c'est développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique, sobriété énergétique. Sauf qu'en tant que sociologue, je questionne cet ordre de priorité où on a sobriété, efficacité et renouvelable. Et je dis attention, il vaut mieux regarder d'abord à mettre en place ce qui structure nos modes de consommation énergétique. Et c'est d'abord le modèle énergétique sur lequel notre société s'est bâtie, c'est-à-dire le modèle énergétique qui, pour l'instant, ne privilégie pas les énergies renouvelables. Donc passons d'abord par là. En même temps, efficacité énergétique, puisque les équipements dont on dispose sont absolument essentiels et il faut qu'ils soient effectivement performants. Mmh. Et là, effectivement, on peut demander aux fameux citoyens d'être sobres dès lors que tout est organisé pour que les citoyens soient sobres. D'où le fait de changer ce qui structure tout ça. Alors, on va revenir rapidement sur la diapo suivante. Vos,
Vous aimez les diapos, vous, hein ? J'aime bien les diapos. Hein, mais pas parce nous. Que je suis bavarde et si je ne ouais. si je reste pas sur mes diapos... Sauf que des diapos, j'en ai 3 feuillets, on a 10 minutes, donc c'est pour ça que je me permets de garder, de maîtriser la cadence. Allez-y. On revient rapidement sur ces deux premiers paradigmes techniciens vis-à-vis de la transition énergétique et puis la croissance hein, pour bien comprendre. Et après, on ira d'accord. à votre solution. Donc, très rapidement, le paradigme technicien de la transition énergétique, pourquoi ce paradigme, pourquoi j'en parle ainsi ? C'est parce qu'en fait, la transition énergétique telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle repose sur un scénario de l'abondance énergétique. Quoi qu'on en dise, malgré les débats auxquels j'ai participé d'une certaine manière, on est toujours sur de l'abondance énergétique. Ensuite, on sait aujourd'hui que la théorie de la modernisation écologique, donc la croissance verte notamment, est assez controversée. On n'y reviendra pas. Par contre, la transition énergétique telle qu'on la vit aujourd'hui, elle est largement influencée par le paradigme technicien qui repose sur 2 credos dominants. C'est on va pouvoir tout solutionner par la technique. Et jusqu'à présent, personne ne remet en question la technologie ou les technologies qui nous environnent. Et ce matin encore, on n'en a pas parlé vraiment en les questionnant. On fait comme si ça allait de soi. Mmh. Et deuxième credo, on dit souvent, la technologie, elle est là. Elle est là, voilà, oui. C'est un déjà là. Et donc, deuxième credo, c'est les humains, quoi qu'il arrive, doivent s'adapter et devraient moins consommer. Donc, en fait, logiquement, ils doivent changer. Sauf que les sociologues montrent bien aussi que le changement ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas, ce n'est pas magique, et Solange l'a bien montré. Et donc, le deuxième élément qui est important, c'est le fait qu'on est sur une société de croissance. Et cette société de croissance, je vais faire 3 observations qui me semblent importantes. C'est qu'il y a une première observation, c'est que toucher au marché, c'est tabou. Or, le marché, c'est aussi ce qui nous permet de faire nos choix. Aujourd'hui, on ne peut choisir qu'entre une voiture et une voiture, en clair. Donc, c'est important de réfléchir à de quoi est constitué ce marché. Deuxième élément, c'est le confort technique est promu comme norme sociale. Pour le dire autrement, on généralise la clim, on généralise des équipements énergivores en général, on est vers une hausse des températures de confort. C'est une tendance, hein, ça a été mesuré, donc ce n'est pas moi qui le dis. On est sur des normes d'hygiène aujourd'hui qui nous invitent aussi à aller vers plus de consommation. Pensez tout simplement à la fameuse douche parapluie dans nos salles de bain design et de plus en plus grandes dans nos appartements, dans nos maisons. Pensez également aux cuisines ouvertes qui nécessitent évidemment qu'on chauffe davantage un espace qui est plus grand alors qu'autrefois on ne chauffait pratiquement pas la cuisine puisque faire la cuisine permet de monter en température. Enfin voilà, on a des éléments là qui sont assez pragmatiques. Donc ça c'est la deuxième observation. La troisième observation, c'est que finalement, on est face à beaucoup de choix dans notre société de consommation pour rien, on dira, et de choix surtout contraints. Ce que je disais tout à l'heure, on choisit entre une voiture et une voiture. On est face à une montée en gamme obligatoire de tous les équipements. Vous voulez changer votre téléphone portable, vous allez nécessairement monter en gamme. Vous voulez changer votre téléviseur, vous allez nécessairement changer en gamme. Et on sait aujourd'hui que les technologies nouvelles ne sont pas nécessairement moins énergivores que les précédentes. Donc là, on a 2 freins, ouais. Voilà. La focale technique, la focale de la croissance. J'amende un peu, j'ai entendu des énergéticiens ce matin dire on a intérêt à reconsidérer notre modèle. Hein. Mon métier n'est plus de vendre du kilowattheure oui, ou du mètre cube de gaz. Hein, ils l'ont dit ce matin. Hein. Mm-hmm. Et alors, expliquez-nous ça. Eh bien, troisième contrainte. Voilà, comme on croit au développement technologique infini, on va dire, pour atteindre un minimum d'objectifs tels que ceux qui sont énoncés via les discours autour de la transition énergétique, on a mis au devant de la scène en fait la notion d'empowerment. La notion d'empowerment, elle nous vient de nos collègues anglo-saxons. Elle se traduit par le fait que l'individu est positionné en qualité d'expert responsable de ses choix. Donc, ça veut dire qu'on délègue finalement les responsabilités de la transition énergétique aussi et beaucoup à nos concitoyens qui sont, on l'a vu tout à l'heure, en fait, finalement, les derniers maillons de la chaîne et qui n'interviennent que dans un univers très contraint et pas tout à fait favorable. On leur demande d'écologiser leurs pratiques, mais dans une société qui reste énergivore. C'est un peu paradoxal. Sauf que aujourd'hui, on n'augmente pas ce qu'on appelle leur capacitation, c'est-à-dire les dispositions qui leur permettraient
ou les capacités qui leur permettraient de monter en compétences. Et face à l'offre, la plupart de nos concitoyens sont démunis. Alors nous, les sociologues, les anthropologues, on va chez les gens et on parle avec eux. Et de fait, on réalise des choses qui sont absolument inconcevables quand on est à l'échelle de l'élu ou à une échelle territoriale plus éloignée que celle de l'individu. Et donc, l'offre borne évidemment la demande et on demande en fait à ce que chacun s'adapte à cette technicisation croissante de son environnement, ce qui est quand même assez paradoxal. On est donc là dans une approche injonctive et culpabilisante. On ne parle plus que, on le voit beaucoup là dans tous les dépliants qu'on voit aujourd'hui, d'éco-logement, d'éco-conduite, d'éco-consommation, des éco-gestes, etc. Et l'individu se trouve confronté à des injonctions contradictoires, voire stigmatisantes, s'il n'est pas bon élève, etc. Donc les sociologues parlent du travail accru de l'usager, du consommateur, du citoyen, c'est-à-dire qu'on va demander finalement aux citoyens ordinaires de faire des efforts, à la fois financiers, cognitifs, en termes de conflits à l'intérieur de son collectif d'habitants, de sa famille, etc., pour monter en compétence face, en fait, à un univers où règne la tyrannie de l'offre, où cette offre, elle est complexe. Vous voyez, par exemple, le discours actuel ou le débat actuel sur l'étiquetage des aliments, c'est parfois à mourir de rire quand on prend du recul. Donc comment l'individu peut-il aujourd'hui se débrouiller face à cette offre compliquée? On lui demande de monter en compétence, mais on ne lui laisse pas le temps. Il faut du temps pour apprendre. Et l'expérience de Los Angeles l'a bien montré, ou l'expérience du Menet aussi en Bretagne. C'est le temps long qui permet de faire les choses. On ne peut pas faire les choses du jour au lendemain, surtout quand on touche à la question de la culture. Et la culture, c'est des couches successives, en fait, d'informations, de formation, d'éducation, etc. Ça prend beaucoup de temps, ça prend en général plusieurs générations. Donc, le problème aussi, c'est que cette transition-là, telle qu'on la conçoit aujourd'hui via la technologie, elle crée de l'exclusion et des situations notamment de non-choix vis-à-vis de populations qui n'ont pas nécessairement les moyens, à la fois en termes de compétences, mais surtout de revenus et d'accès à l'information. Alors, je note par ailleurs que la politique de MDE, aujourd'hui, elle se trompe un peu de cible, on va dire, parce que les populations principales qui sont ciblées, les cibles principales de l'action publique, ce sont souvent les faibles revenus et les revenus modestes, quoi qu'on fasse, qui sont de fait en déficit socio-économique, qui vivent souvent dans des logements passoires ou des logements qui ont du mal à monter en compétences, qui ont d'autres priorités dans la vie que la question de l'énergie, la question d'utiliser autre chose que la voiture pour aller au travail le matin, qui résident loin de leur lieu de travail, etc., etc., et qui sont souvent dans des situations de privation, qui sont déjà dans des situations d'attention énergétique, c'est-à-dire qui font déjà attention à l'énergie parce que c'est un vrai problème. Et là, vous voyez, on leur demande finalement de faire des efforts supplémentaires. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc on est dans ce que moi j'appelle une acculturation forcée à plus de sobriété, ce qui paraît quand même assez discutable. Et donc ces populations à faible consommation énergétique, en fait, elles sont en faible consommation énergétique, comparées par exemple aux autres populations qui, elles, sont, on pourrait dire, quelque peu épargnées par les messages, les injonctions, etc. Par ailleurs, on est dans une société où les grands autres, les institutions, les entreprises, nos élus, ne sont pas très exemplaires la plupart du temps. Et donc, comment, en tant que citoyen, imaginer l'être dès lors qu'on ne voit, certes, on en voit beaucoup des exemples, des bons exemples, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc, j'insisterai pas sur, par exemple, et en particulier, le caractère déroutant des messages des campagnes de maîtrise de la demande d'énergie. Mmh. Aujourd'hui, on est, on le sait, dans une situation de tension au niveau énergétique. Et je ne sais pas si vous l'avez écouté à la télé ou à la radio, on a des messages du type, après la météo, par exemple, sur une chaîne, « Ah, mais n'oubliez pas de dégivrer vos frigos. » Et paf, le message, c'est ça. Comment voulez-vous que les gens puissent faire le lien entre dégivrer un frigo et la consommation énergétique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors? Non, je ne dirais pas ce qu'il faut faire, mais là, c'est un message maladroit, parce que ce n'est même pas un message. Ça pose question et la personne n'a pas la réponse. Ou par exemple, la météo vient d'avoir lieu, en situation de tension énergétique, éteignez votre télé.
les personnes sont en train de regarder la télé. Donc, bienvenue chez les ch'tis dimanche. Voilà, mais on voit là qu'il y a quand même un aspect qui n'a pas été verrouillé, c'est celui de la cohérence, la mise en cohérence en fait, de ces messages avec le projet de changer d'énergie, on va dire. Il nous reste 2 minutes, on ne va pas pouvoir passer vos autres slides. Ma question, c'est quelles sont vos préconisations, vos propositions pour essayer de sortir du spot des gifs ton frigo et faire rien d'autre. Quelles sont les pistes ? Les pistes, elles sont simples. C'est changer de modèle énergétique dans un premier temps. Donc, dans un deuxième temps, probablement travailler sur la question du marché, faire en sorte que ce marché qui est structurant en termes d'offres mises à disposition des citoyens, que ce marché soit performant, que par exemple on n'ait plus à choisir entre du A++ et du B ou du A, ou on décide qu'on va vers de la performance et de la sobriété, et dans ce cas-là, on supprime du marché les équipements les moins performants, ou alors on accepte l'idée qu'on est sur du discours et qu'on est juste sur un aspect économique et qui va nous falloir peut-être 100 ans pour aller vers la sobriété énergétique. Donc ça, c'est les deux éléments sur lesquels il s'agit d'agir en priorité. J'aimerais quand même qu'on passe la slide où j'ai un schéma. Non, pas suffisant. Voilà. Donc juste pour dire que là, j'ai parlé du marché. Vous voyez que sur cette slide, les pratiques énergétiques, selon Christophe Bellé et moi qui travaillons ensemble, c'est un résultat de 4 éléments qui sont fondamentaux. C'est ce contexte qui renvoie au marché, aux politiques publiques, au prix de l'énergie, etc., donc qui est un peu le socle dont vous avez parlé tout à l'heure, mais que là, on renverse un peu la situation. Et puis, on a un triptyque ensuite qui est constitué à la fois les dispositions de l'individu, donc sa culture, sa capacité d'action, sa compréhension, le revenu, les dynamiques sociales que Solange a évoquées, c'est-à-dire on est tous en solo ou en famille, on vit dans des collectifs de travail, et de fait, il s'y passe des choses, et on peut être vertueux quand on est seul et moins vertueux en famille, et encore moins vertueux au travail. Donc ça, c'est le deuxième élément du triptyque. Et le troisième élément du triptyque, qui est combiné aux deux autres, c'est l'efficacité énergétique, donc les équipements auxquels on peut avoir accès. Donc, la priorité, c'est agir sur ce socle qui se trouve en bas. D'accord. Et ensuite, on peut agir sur les 3 autres niveaux. D'accord. Et les 3 autres niveaux, je pense que c'est important de le préciser, ouais. Ça ne peut s'organiser que sur la base aussi d'une société qui insiste sur la question de l'éducation, de la formation, qui sont des éléments absolument indispensables et donc qu'on évoque assez peu souvent finalement ou toujours à la marge. J'allais dire là-dessus, il y a un problème de compétence là. Tout à fait. Comment monter en compétence vis-à-vis des technologies? Sur vos 4 champs là. Tout à fait. Mmh. Et comment faire monter en compétence, par exemple, les professionnels du bâtiment qui vont accompagner la montée en performance de ces bâtiments? Comment faire monter en compétence des profs, des enseignants qui doivent enseigner à des enfants? On leur confie des programmes d'éducation au développement durable, ils n'ont pas nécessairement les compétences. Comment faire monter en compétence des élus? Donc ça, c'est des vrais défis. Julien, vous y retrouvez là dans ce qu'on vient d'entendre? Oui, assez bien. Nous, on appelle ça l'approche systémique. Et c'est-à-dire d'arriver à croiser différents enjeux et faire prendre conscience que sur un des enjeux, on a des conséquences sur les autres qui lui sont associés. Et je rajouterai aussi la dimension de gouvernance inter-échelle, c'est-à-dire que là, concrètement, il faut à la fois, à l'échelle locale, bosser avec le corps enseignant et donc toucher les parents d'élèves, en même temps travailler sur la politique de l'offre et faire en sorte que les habitants comprennent qu'il y a un besoin de rénover leur maison, en même temps avoir les dispositifs financiers qui permettent à ceux qui sont pas assez pauvres ou pas assez riches de pouvoir le faire malgré tout, et c'est une bonne partie de la population. En même temps, créer les filières de développement économique avec les boîtes capables d'intervenir, les artisans, créer cette demande à une échelle suffisante de territoire pour créer un mouvement. C'est vaste. Est-ce que vous faites aussi, une des clés de la réussite, je pense, dans ce que vous avez entrepris, c'est que vous avez avancé à la fois sur le champ des « il faudrait que tu fasses autrement », rénover ton immeuble, fermer ton frigo, là. Et en même temps, tu vas entreprendre des trucs chouettes.
vos ateliers collectifs, les arbres à fruits publics. Enfin, c'est les deux qu'il faut faire en même temps pour une acceptation. Vous confirmez ? Oui, je confirme, c'est-à-dire d'avoir une forte politique d'implication habitante. On ne parle pas de démocratie participative. Jean-François Caron explique souvent que le terme est galvaudé, donc il préfère resserrer autour de la dimension d'implication habitante, c'est-à-dire créer les espaces d'implication. Et à partir de cette implication, monter en capacitation pour faire en sorte que les gens s'investissent d'autant plus. On a des exemples très précis, si je peux illustrer. Allez-y, donnez un exemple. Un jour, un habitant d'une des cités minières de Losangoël est venu se plaindre en réunion publique. Il a pris la parole, c'était déjà pour lui quelque chose de fort, pour exprimer un désaccord par rapport à la qualité de vie de son quartier. Donc c'était déjà une première étape. Plutôt que de lui dire qu'on faisait déjà plein de choses et que s'il n'était pas content, il avait qu'à faire lui-même, on lui a dit « Très bien, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Dessinez-nous ce que vous voudriez voir. On a travaillé avec le directeur des services techniques sur la base de son dessin, c'est-à-dire qu'il a dessiné un plan avec des arbres, et ensuite on l'a réalisé avec les équipes techniques, mais aussi avec les enfants du quartier et tous les voisins qui voulaient bien se rejoindre cette aventure. Ce monsieur est devenu le président de l'association du quartier. Alors, sachez qu'il a 500 écharpes en laine à vendre. Non mais c'est une belle illustration aussi, hein. Comme il devait accueillir le train du changement là, pour la COP 21, il y avait eu spontanément des clubs au foyer logement, un foyer retraite, qui s'étaient réunis pour fabriquer 500 écharpes pour les mettre autour du cou d'Obama et des autres, pour les emmener au sommet du Terry, hein, parce que le 3 décembre à Losangoël quand même... On jouait la carte... en haut du terri, le froid, le vent, et donc on les accueillait en écharpe. Mais effectivement, comme ils ne sont pas venus, on a redistribué ces écharpes. Mais si vous en voulez vraiment une, je peux vous en dégoter une. Très bien. Alors, l'heure de vérité maintenant, Julien, parce qu'on va entendre l'évaluation. Cette démarche en profondeur, dans la durée, avec une méthode, des points d'étape, produit-elle des résultats ? Donc, Karine Sage... avec votre cabinet, vous avez conduit l'évaluation du changement de Losangoël. Alors, méthodologie d'abord, qu'est-ce que vous avez fait ? Et puis après, racontez-nous ce que vous avez observé et sans concession. Il peut tout entendre. Il a déjà entendu un certain nombre de choses. Donc effectivement, je fais partie d'une SCOP qui s'appelle Quadrant Conseil, qui est spécialisée en évaluation de politique publique. Et un jour, l'ADEME Nord-Pas-de-Calais à l'époque est venue nous voir avec une demande assez singulière qui était de venir évaluer la stratégie de conduite du changement lossoise. Alors généralement, on vient nous chercher pour évaluer un plan climat, un agenda 21, un projet qui est bien défini, etc. Là, on s'est retrouvé avec un objet un peu singulier, puisqu'il a cette dimension systémique, ce périmètre très large, cette ambition, cette étoile qui brille au firmament. Et donc, il fallait trouver une façon de faire son évaluation, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte de ses résultats, notamment, et c'était ce qui intéressait l'ADEME, ce qui intéressait Thomas Blais qui a piloté cette étude, de façon à pouvoir en tirer des choses qui vont pouvoir servir à d'autres territoires et puis qui vont pouvoir permettre à Losangoël aussi de progresser. Donc l'évaluation de politique publique, j'en dis juste un petit mot pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'exercice, ça fait partie dans la boîte à outils de l'acteur public d'un exercice qui permet de juger de la valeur de son action, de son projet, de son programme, de sa politique publique en allant voir les résultats. Donc en allant voir ces groupes cibles, c'est-à-dire les gens auprès de qui on a tenté de produire un changement et qui s'inscrit dans une grande finalité. Donc, d'où l'importance, comme le soulignait Solange Martin, quand on est acteur public, qu'on met en œuvre une politique publique, d'avoir bien identifié son groupe cible, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Et quand on vient faire l'évaluation, c'est ce groupe-là qu'on va aller voir. Alors, est-ce que les choses ont changé et en quoi est-ce que ce qu'on vous a proposé du côté de la municipalité, de la région, du ministère, vous a aidé dans ce changement ? Donc, grosso modo, c'est le boulot qu'on accomplit. Donc, ça dure un an, ça ? Alors, dans le cas de Losangoël, qui était particulièrement intéressant et complexe quand même, effectivement, il fallait bien un an de travail qui visait à répondre à trois questions clés que vous voyez là. Alors, Jean-François Caron et Julien Perdéjà nous racontent qu'ils ont une méthode de conduite du changement. Est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'on peut la qualifier ? Comment est-ce qu'on peut la décrire ? C'était la première question. Si elle existe, est-ce qu'elle est efficace ? Qu'est-ce qu'on peut constater comme résultat ? Quels freins est-ce qu'on peut noter aussi ? Et puis la troisième question, dans la perspective de capitalisation,
est-elle généralisable ? Et si oui, dans quelles conditions ? Et pourquoi ? Et comment ? Donc, on sent bien dans la question généralisable avec Solange Martin qui nous dit il n'y a pas d'outil miracle. Donc on ne sera jamais, quand bien même le modèle de soi serait absolument parfait, on ne pourra pas le transposer tel quel dans d'autres territoires. D'accord. Mais quand même, essayons de regarder s'il n'y a pas des composantes qui peuvent être appropriées ailleurs et enrichies d'ailleurs pour produire des résultats tout aussi intéressants. Donc vous répondez rapidement aux trois questions et puis après on s'arrêtera sur les enseignements qu'on en tire, parce que l'objet c'est dans la salle, ils se disent « Ah tiens, il y a un truc... » j'aimerais réfléchir à comment je peux faire chez moi. Alors, les trois questions. Vous avez dit oui aux trois, direct. Alors, c'est toujours un peu plus nuancé, mais je vais vous faire la version courte, bien évidemment. Vous justifiez les honoraires. Donc, en tout cas, ce qu'on a mis à jour, c'est qu'il y a des pratiques de dynamique du changement lossoise, si ce n'est une méthode. En fait, vous avez vu le schéma que vous avez souligné vous-même comme étant très intéressant, c'est ce qu'ils appellent le code source lossois. La maison, là. Voilà, la maison. Nous, on a récupéré ça, et pour pouvoir appliquer une méthodologie d'évaluation, on a dû le transformer un peu sur nos outils, qui sont généralement des schémas qui ressemblent à peu près à ça, où en fait, on met à plat ce qu'on fait et les résultats qu'on en attend. Et la façon dont on a traduit ce code source, c'est qu'on a dit, en fait, ici, ce qu'on observe, c'est une politique publique, une façon de faire, qui est une mise en mouvement des acteurs. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de conduite du changement qui, si tout se passe bien, s'adresse à des parties prenantes qui doivent d'abord changer de posture. Elles vont changer de posture, et le fait qu'elles changent de posture va permettre, d'une part, à Los Angeles d'améliorer la qualité de son action publique, c'est-à-dire de faire mieux en tant qu'acteur public, et puis aussi de provoquer un effet d'entraînement. C'est-à-dire que la municipalité ne sera pas toute seule avec ses petits bras à œuvrer en faveur du développement durable, en faveur de l'atteinte de l'étoile. Ce qu'a bien compris Los Angeles, mais ce que tout le monde comprend bien aussi, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul, et que donc, effectivement, ces politiques publiques qui visent à mobiliser, à mettre en mouvement les acteurs, et pas que les individus, je vous rejoins, également les entreprises, également l'ensemble des acteurs d'un territoire. Il n'a pas dit, ils ont fait un truc de dingue avec la FFB, par exemple, Fédération Française du Bâtiment, donc capacité à aller chercher toutes ces cibles économiques, sociales. À aller chercher l'ensemble des parties prenantes, de les mobiliser, de partager un projet commun, et du coup d'avoir cet effet d'entraînement qui va pouvoir s'observer parce que les gens vont changer leur façon de faire, les acteurs économiques du territoire vont peut-être pas faire du business exactement comme avant ou comme ailleurs, et puis à initier des nouvelles actions, c'est-à-dire qu'on va voir aussi fleurir sur le territoire des actions qui vont dans ce sens-là, et c'est cet ensemble-là qui permet d'avoir l'effet systémique qui est recherché par Los Angeles. Donc c'est ce qu'on a mis à plat pour pouvoir aller chercher tout ça. Alors bien sûr, ça c'est une version simplifiée, vous avez là un bout d'une version longue, mais avec qui toutes tient les questions 50 qui se passent, pages quelque part, qui voilà. Se passent autour, On dit les gens. Vous aurez ces documents sur le site des assises, toutes les présentations. Donc quand on dit les gens ont changé de posture, on va aller voir pour voir si effectivement il y a ce changement de représentation du territoire. Julien parlait tout à l'heure d'estime de soi. Alors est-ce qu'effectivement c'est des choses qui sont partagées ? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la façon où on va, etc., etc. D'accord. Bon, c'est des bonnes grilles de travail. Vous les aurez à disposition. Donc oui, méthode. Méthode, oui, qu'on a pu du coup redéfinir. En termes de résultats, alors je vous dis un mot sur la méthodologie d'évaluation qui a été mobilisée, sans trop m'attarder. Le fait, on est sur un objet de stratégie de conduite du changement global. Donc l'hypothèse qu'on pouvait faire, c'est qu'elle irrigue l'ensemble des champs de l'action publique. Donc l'idée, c'était qu'on pouvait aller regarder n'importe quelle composante de l'action municipale, on y verrait les signes et du coup les résultats de la stratégie de conduite du changement. Ce qui est déjà une hypothèse très forte. Peu d'acteurs publics peuvent affirmer qu'ils ont une stratégie de conduite du changement qui va être visible sur l'ensemble des champs de leur action publique. Généralement, on est quand même sur des choses beaucoup plus cloisonnées. Du coup, nous, on a fait 5 études de cas sur 5 composantes de l'action publique municipale qui sont très différentes, que vous voyez, donc les dispositifs de participation habitante, l'agriculture, la base du 11-19, et puis le côté éco-construction. Et puis on a mis en œuvre ce qu'on appelle, j'essaierai de ne pas aller trop loin dans le jargon évaluatif, une analyse de contribution. Ça veut dire que dans chacun de ces cas, on a fait des investigations de terrain et puis on est allé voir est-ce que les choses ont changé et quels sont les changements qu'on relève effectivement sur le territoire. Ensuite, qu'est-ce qui nous prouve ? Qu'est-ce qu'on peut collecter comme indice qui nous dise que Los Angeles, la ville, sa stratégie de conduite du changement, y est pour quelque chose ? Et
En complémentarité, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a d'autres facteurs explicatifs qui ont fait que effectivement ce changement-là peut être observé aujourd'hui, que ce soit des facteurs qui vont accompagner ce changement ou que ce soit des choses qui vont au contraire le freiner. Et là, on vient bien aussi sur l'importance des multi-échelles, c'est-à-dire que même moi, si je suis de bonne volonté en tant qu'individu ou en tant que municipalité, si les autres échelles qui jouent aussi sur le changement que je cherche à obtenir ne suivent pas, ça peut aussi être compliqué. Alors, trois types d'enseignements qu'on retire de cette auscultation de la démarche de Losangoël. D'abord sur la conception de l'action publique, ça rénove, ça revisite l'action publique, ça c'est très intéressant. Alors, c'est des enseignements clés qui sont présentés ici un peu et pourtant il est tellement simplifié déjà Vous me la gardez celle-là hein. Rodolphe, c'est... elle est pour moi celle-là un peu à la hache. Ce qui est important de voir, c'est que on est bien dans l'idée, dans le rapport en version intégrale, ces enseignements clés sont accompagnés d'éléments de contexte, de facteurs de réussite, de points de vigilance, c'est-à-dire qu'ils sont illustrés aussi et qu'on n'est pas sur des recettes miracles, mais bien sur l'idée de pouvoir définir à partir de cette expérience dans quel contexte, auprès de qui, comment est-ce qu'on peut espérer obtenir ce type de résultat. Donc juste sur l'esprit de la façon dont on a fait émerger des leçons. Trois choses dont l'évaluation démontre qu'elles fonctionnent bien pour obtenir plus et mieux de résultats à Losangoël. Avoir une intervention qui s'inscrit à plusieurs échelles. Donc la dimension multiscalaire, Julien l'a évoqué, on le voit que ça vaut le... c'est vérifié dans les SHS aussi. Alors là, dans le cas de l'OS, c'était facilité pendant toute une période par le mandat régional de Jean-François Caron, mais on peut tout à fait imaginer obtenir cette dimension multiscalaire autrement, en nouant des alliances, en ayant une capacité d'ingénierie aussi qui peut permettre ça, c'est tout à fait possible. L'aspect global, alors ça paraît un lieu commun hein, de parler du développement durable et donc de prendre soin quand on intervient par exemple sur le champ de l'agriculture, de prendre en compte l'ensemble des piliers, de regarder aussi sur le modèle économique, sur ce que ça va donner en matière sociale, etc. On en parle beaucoup, mais là encore une fois, très peu le font. Et là, on voit vraiment des actions publiques qui s'enrichissent et s'améliorent au cours du temps, on est toujours dans ce temps long, hein, parce qu'elles arrivent à avoir un point de vue de plus en plus global et d'appréhender les choses de façon de plus en plus globale. D'accord. Quelque chose peut-être de plus simple et de plus accessible, le recours à l'expertise externe. C'est-à-dire que Losangoël a toujours dans ses couloirs autour de ses tables de réunion des gens qui viennent de l'extérieur, va chercher des expertises, que ce soit universitaires, que ce soit des expertises pointues dans des grands acteurs économiques, institutionnels, et les invite à venir apporter leurs contributions. Alors, ça marche aussi parce que Losangoël, c'est une ville pilote qui intéresse ce genre de personnes, mais il y a un cercle vertueux comme ça qui va venir nourrir du coup complètement l'action publique, la capacité d'être réflexif sur ce qu'on fait, etc. On n'a plus le temps de détailler les deux autres éléments clés de l'enseignement sur la coopération et aussi le management et le management de projet. Donc juste deux mots si vous voulez bien. Sans détailler les quatre... Je soulignerai peut-être une leçon qui est la plus surprenante en matière de pratique de coopération des acteurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses assez classiques sur comment on arrive d'autant plus ou d'autant mieux à mobiliser des acteurs. Par exemple, en jouant sur les groupes de pairs, c'est ce dont Solange Martin a parlé tout à l'heure. Mais ce qu'on a vu comme mécanisme qui fonctionnait aussi, c'est le récit lossois. Alors, vous avez peut-être vu que Julien Pardrija a été chargé de récit. Donc ils ont créé la fonction. Une matière narrative qui semble très séduisante comme ça, mais qui en fait fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'on voit des parties prenantes, des habitants, des commerçants, etc., qui nous racontent l'histoire, qui s'inscrivent dans l'histoire et qui changent d'autant plus volontiers qu'ils sont épaulés, associés à cette narration-là. Donc il y a quelque chose du narratif qui est vraiment intéressant et opérant pour faire mieux, changer plus et changer ensemble. Et puis le management du projet, management interne, vous avez un mot à dire ? Un petit mot peut-être qui est assez inhabituel peut-être dans la culture des collectivités territoriales, c'est que Losangoël est une petite équipe, une équipe proportionnelle aussi à la taille du territoire. 7000 habitants. Et les agents qui travaillent et les élus mettent à profit l'ensemble de leurs casquettes
pour aussi mettre en œuvre le projet municipal. Donc je peux être au service technique, mais également chasseur ou footballeur ou footballeuse. Et du coup, toutes ces casquettes-là vont faire que je vais nouer des liens avec le reste de la population, que je vais adapter mon discours, que je vais pouvoir jouer sur des groupes de pairs et pouvoir aussi nourrir l'action municipale. Et ça, ça fonctionne très bien, alors même qu'on a plutôt l'habitude en collectivité de cloisonner ce genre de, d'expérience. Alors, bien sûr, il faut manager ça d'une façon respectueuse de l'être humain, hein, pour que ce ne soit pas une espèce d'exploitation sans vergogne. Mais il y a quelque chose de vertueux, y compris pour le bonheur au travail, probablement, de ces DGS équipes-là. DGS explique bien ça. Il n'y a plus de chasseurs à Los Angeles. Si ? Bien sûr, ouais. Ils nous aident à réguler les lapins pour éviter d'avoir trop de dégâts dans les cultures et d'avoir de bons rapports avec les agriculteurs conventionnels avec qui on peut passer des alliances pour arriver à développer les circuits courts en bio. Vous vouliez ajouter quelque chose, Solange ? Donc, 9 minutes pour entendre vos questions, vos remarques. C'est passionnant là, ce qu'on vient d'entendre. On commence. Alors, il y a des micros qui sont là. Ben alors, monsieur, là dans le fond, puisque vous êtes plus proche, et ensuite je vous apporte mon micro, madame. Oui, bonjour. Je n'avais pas vu qu'il y avait des micros derrière moi. Ah, et puis il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Ok, allez-y, monsieur. Alors, c'est... Non, non, allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. Francis Tubé, directeur de l'IFRET, qui est donc l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement. Je salue Marie-Christine Zeller. J'avais une question à la fois pour Marie-Christine et puis pour Julien. Je me demande, à travers ce que vous dites, des choses autour de l'éducation populaire. Et je ne l'ai pas entendu en tant que tel. Donc je voulais avoir éventuellement confirmation que c'était bien quelque chose qui était présent dans vos démarches. Et puis, une question pour Marie-Christine Zeller. Comment on entend la place des corps intermédiaires, du coup? Vous voyez bien que c'est lié, évidemment, à ma première interpellation, mais comment on peut considérer que les mouvements associatifs, par exemple, peuvent contribuer, bénéficier, être associés à ce genre de démarche en partenariat et en complémentarité avec, ma foi, les élus, la collectivité, et puis le monde universitaire. Merci. Alors, on commence avec la première question, Julien, ou Marie-Christine ? Allez-y, Julien. Sur l'approche éducation populaire est présente. Oui, bien sûr. Allez-y. Alors. Je vais prendre la main, du coup. Donc, effectivement, l'éducation populaire, l'éducation fonctionnelle sont au cœur de la problématique. Et pour ce qui me concerne, je donnerai juste un exemple. C'est celui que l'on mène... avec l'ADEME Guyane sur les comportements énergétiques et les pratiques énergétiques des Indiens Wayana, où là, on est vraiment sur de l'éducation fonctionnelle, sur le rapport à l'énergie, sur la gestion des équipements, sur la compréhension du lien entre un équipement et la consommation associée. Et on, à travers donc, ce rapport aux équipements, on déroule en fait tout un dispositif éducationnel sur également toutes les autres pratiques de consommation qui sont associées à notre société de consommation, dès lors qu'on a, on touche du doigt l'entrée dans le 21e siècle de populations qui vivent encore un peu à la Lévi-Strauss. Donc là, voilà, l'éducation fonctionnelle, l'éducation populaire sont des choses qui sont au cœur. Et juste après, je te passerai la main. Pour ce qui concerne maintenant les associations, il est clair que c'est souvent dans le milieu associatif qu'on va trouver ces prémices d'innovation sociale qui sont absolument indispensables pour dynamiser et pour donner du PEPS en fait à tous les projets, toutes les opérations qui peuvent être menées autour de la maîtrise de la demande d'énergie. Donc, de fait, ce sont des interlocuteurs absolument centraux, prioritaires, voire moteurs, sans lesquels on ne peut pas travailler. Et on les oublie d'ailleurs assez souvent. Donc, moi, j'en profite pour dire merci beaucoup pour leur contribution, qui est souvent dans l'ombre.
Merci. Julien ? Sur l'éducation populaire, c'est au cœur de la démarche depuis les années 80. Les spectacles participatifs dont je parlais tout à l'heure, pour moi, c'était de l'éducation populaire. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce sont des spectacles qui racontent la vie des Lossois, joués par les Lossois. Dans les années 80, il y avait un spectacle qui s'appelait Terre d'en haut, Terre d'en bas. Ça racontait la vie des mineurs, la vie des agriculteurs. Et c'était joué par les anciens mineurs et les agriculteurs faisaient les décorations. Et donc, il y avait une démarche qui allait au-delà de simplement faire un spectacle ensemble. C'est-à-dire que ça racontait une trajectoire commune. Et donc, il y avait des compétences qui étaient acquises et partagées. Et ça, ça dure depuis 30 ans, hein, depuis cette époque-là. On a une forte politique incitative de création, d'accompagnement d'associations en tout genre, et depuis les années 90, le nombre d'assos a doublé sur le territoire, avec lesquels on travaille énormément sur de la coproduction. J'ai parlé tout à l'heure de la plantation d'arbres avec une asso de quartier qui n'existait pas avant qu'on le fasse et qui a donné naissance à l'association. Mais on travaille aussi sur du ramassage de déchets collectifs à l'initiative des agriculteurs ou à l'initiative des chasseurs, encore eux, ou à l'initiative des parents d'élèves. Et on crée un mouvement interassociatif pour participer à ces journées. Et enfin, on travaille avec les Francas qui nous aident à structurer notre programme éducatif non formel auprès des jeunes. D'accord. Question de madame et ensuite il y aura quelqu'un là-haut. Donc Marie-Laure Lamy, directrice d'Aloen, agence locale de l'énergie à Lorient. Moi, j'ai une question qui nous interroge depuis un moment. Alors, je connais un peu l'expérience de Losangoël. J'ai quand même un peu l'impression que c'était parce qu'ils étaient au pied du mur qu'ils ont vraiment réagi. Donc, ce que je me pose comme question, est-ce qu'il faut nécessairement voir le mur pour pouvoir faire quelque chose? Et est-ce qu'il faut faire rêver ou est-ce qu'il peut faire peur? J'en avais discuté avec un philosophe qui me disait clairement, mais de toute façon, les populations, elles ont réagi quand elles avaient peur et qu'elles n'avaient plus le choix. C'est pas forcément facile de faire quelque chose avant. Donc je voulais voir ce que les sciences sociales en pensaient. La Merci. Réponse, elle est... Je prends la question pour le coup. Elle est double. Effectivement, on sait que faire peur, hein, ça peut créer des mécanismes de sidération qui entraînent des défenses qui font qu'on ne va pas changer. Et les expériences de communication autour notamment des addictions montrent bien qu'il ne suffit pas de montrer un foie ou un poumon en très mauvais état pour que les gens arrêtent. Il y a plein d'autres choses qui se jouent. En même temps, il faut un petit peu nuancer aussi. On a à l'ADEME un certain nombre de sondages d'opinion, et notamment un qui porte sur le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. Et on a regardé des populations qui déclaraient avoir subi des désordres climatiques, donc qui étaient d'une part dans des communes déclarées catastrophes naturelles et qui par ailleurs disent eux-mêmes en avoir subi, parce que ne suffit pas d'être dans une commune pour avoir véritablement subi, etc. Et on voit que ça change quand même non seulement la perception du phénomène, mais aussi les propensions à faire et l'acceptation d'un certain nombre de mesures. On a refait le test, alors pas sur des populations métropolitaines qui étaient dans ces cas d'exposition au risque, mais en faisant un suréchantillon sur les dom-toms. Et alors là, c'est un peu scoop, parce que les résultats ne sont pas encore totalement sortis, ce sera le mois prochain. Mais on observe la même chose, c'est-à-dire qu'ils déclarent beaucoup plus souvent qu'en métropole avoir subi des désordres climatiques. Ils sont beaucoup plus conscients que l'effet de serre, c'est pas du tout quelque chose, l'augmentation de l'effet de serre, c'est pas quelque chose de naturel, que oui, c'est dangereux, que oui, les conditions vont être extrêmement pénibles si on ne fait rien, et que par ailleurs, ils sont pour beaucoup plus qu'en métropole, la taxe carbone, par exemple, que chez nous. Donc l'exposition au risque, malgré tout, ça change des choses. C'est-à-dire rendre des choses tangibles pour soi, évidemment, ça change les perceptions. Après, juste faire peur et avoir un discours catastrophiste, on sait bien qu'on atteint un certain nombre de limites. Et c'est toute la difficulté aussi qui est de motiver, parce qu'on est un petit peu face à une urgence, sans mettre en avant l'aspect urgence. Mais la solution, je pense qu'ils l'ont trouvée aussi à l'eau, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ne pas être que dans la réaction à la catastrophe, être dans le rêve aussi, c'est-à-dire oui, on est mal barré, on est dans une situation pas terrible, mais il y a moyen d'aller vers quelque chose de désirable. Et c'est peut-être ces deux leviers qu'il faut actionner en même temps désirable. Pour arriver à dépasser la sidération et la défense face à la peur. Là-haut, une question, et après on prendra une dernière question avec vous, madame. Oui. Marx, l'association Le Quartier Strasbourg. Merci d'abord pour
question qui s'inscrit un peu dans la perspective de la question précédente. J'ai l'impression que le mal, au final, caricatural, c'est notre culture, notre croyance de cette abondance, et que les expériences qui nous sont montrées d'un changement, en fait, partent d'un danger, d'une situation de rareté, pour essayer de retrouver les richesses qui peuvent nous permettre de repartir sur une nouvelle vision, sur un nouveau chemin. Et je me demande, en fait, qu'est-ce qui peut permettre, avant d'en arriver à une rareté complète, de faire en sorte de changer de mentalité, de cette abondance, en prenant un exemple très simple, c'est celui de l'utilisation de l'avion. Puisqu'aujourd'hui, il est beaucoup moins cher de prendre l'avion, et je parle en connaissance de cause, pour venir de Strasbourg à Bordeaux plutôt que de prendre le train. C'est vrai. J'ai un nombre incalculable de personnes qui sont écologistes qui utilisent l'avion pour aller aux quatre coins de la planète. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour y mettre de la rareté? C'est pour vous peut-être, Marie-Christine, puisque c'était la chute de vos préconisations tout à l'heure. Ça. Tout à fait. C'est une question excessivement compliquée puisqu'elle relève d'une décision, on va dire, politique à une échelle supra. C'est vers quelle société souhaite-t-on et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour qu'on aille vers cette société-là, c'est clair. L'avion est effectivement un objet technique qui fait peu l'objet de débat, alors qu'on connaît ses impacts environnementaux. Mais lorsqu'on débat de la mobilité, il est clair qu'on a tendance à focaliser sur les voitures, l'automobilité, les transports en commun, et on laisse de côté l'avion, qui est un sujet qui fâche, et comme la plupart des sujets qui fâchent, on a tendance à les occulter. Donc là, moi, la réponse, je pense qu'elle est à la fois au niveau politique, prendre des bonnes décisions, et en tant que citoyen aussi, aider à ce que les bonnes décisions soient prises, c'est-à-dire à faire son devoir de citoyen aussi et à aller soutenir ceux qui militent et qui engagent des projets qui vont vraiment dans le bon sens, entre guillemets. Mmh. Sachant qu'en tant que sociologue, je vais dire aussi que le bon sens, il est complètement personnel, donc c'est compliqué. Alors, le temps est imparti, est écoulé, mais quand même, on va faire très très vite. Et s'il y a une réponse très très vite, vous, il y a quelqu'un là-haut, non, on ne pourra pas. Alors donc vous, et puis on termine. Allez-y. Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, très vite. Bien, bonjour, je et fais si très si je peux, je donne très, la parole aux autres. Je reviens sur changer les comportements. En fait, on a parlé de Sarah. Vous présentez, s'il vous plaît. Pardon, Dabia Rigaud, donc direction de l'énergie Nouvelle-Aquitaine. Et je parle aujourd'hui, on a vu donc le petit film sur Sarah, mais j'ai envie de parler de Super Sarah et de Mamie Sarah. Donc on parlait de changement de comportement. Aujourd'hui, une Super Sarah, c'est une maman qui amène des enfants aux écoles, qui va travailler, qui doit faire les courses, qui amène les enfants faire des activités extrascolaires. Comment peut-on faire changer le comportement de ces Super Sarah? Et ensuite, le comportement des mamies Sarah sont des seniors qui ont peu de moyens dans les zones rurales, qui doivent aller faire leurs quelques courses, aller à la poste, faire diverses activités. C'est très compliqué, je pense qu'on est quand même très représentative. Et aujourd'hui, j'ai du mal à identifier des méthodes de changement et de pratiques sur toutes ces Sarah. Voilà. Alors, sur les outils, ils ne changent pas, que ce soit Sarah, Super Sarah ou Mamie Sarah. En revanche, effectivement, là, on a pris le cas d'une jeune femme en milieu urbain qui va au travail avec sa voiture, sous-entendu qu'il y a d'autres alternatives, hein, transport en commun ou vélo. Si on est dans le cas effectivement, d'une mère de famille en zone rurale, on ne va pas pouvoir se passer de la voiture. En revanche, là où on peut jouer, c'est sur le nombre de personnes qui sont dans la voiture. Peut-être qu'ils ont des voisins, peut-être qu'il y a moyen de mutualiser un certain nombre de transports. Donc notamment, à la DAM, il y a un scénario de consommation des Français
avec une empreinte allégée en 2030, on a bouffé beaucoup d'hypothèses sur le covoiturage, la mobilité servicielle. Peut-être que, voilà, déjà, d'être à plusieurs, maman Sarah, super Sarah, pour faire en sorte que chacune à peine pas alors qu'elles sont à 20 mètres, voilà, il y a peut-être des choses en termes d'organisation sociale qui se jouent. Et puis après, si vraiment il n'y a pas de solution, qu'il faut garder la voiture, c'est à ce moment-là qu'il faut jouer sur les dispositifs techniques et passer à une voiture électrique. Enfin, vous voyez, jouer sur les impacts des pratiques, c'est effectivement jouer sur les pratiques elles-mêmes, jouer sur l'organisation autour des pratiques et vous jouez sur l'infrastructure et la technologie elle-même. Donc, s'il y aura des moyens. Je suis désolé, je vais faire des frustrés pour les questions qui n'ont pas été posées. Une session s'enchaîne à 16h. Vous pourrez aller voir les intervenants. Marie-Christine, vous montrez à la caméra votre bouquin qui est là. Il y en a deux, parce que c'est celui de droite qui m'intéressait. Mais allez-y, voilà, sociologie de l'énergie, politique de maîtrise de la demande d'énergie et de résistance au changement, vous notez bien. Et le mot de la fin à Julien, parce que l'histoire ne s'arrêtera pas. Il y a un storytelling permanent. Le coup d'après, ce sera quoi? 30 secondes. Ouais, c'est pas un storytelling, je ne suis pas à l'aise avec ce terme, mais je n'ai pas le temps de développer. La mise en récit, c'est vraiment quelque chose de plus compliqué que simplement écrire un récit. Le coup d'après, en 30 secondes. Le coup d'après, c'est de réunir, on parlait ce matin, des villes qui se réunissent autour d'enjeux communs et qui déterminent du coup leur projet ensemble. Nous, on a pour ambition de rassembler ce qu'on appelle les cellules souches, c'est-à-dire des territoires qui, comme Losangoël, à des échelles plus ou moins différentes, peuvent faire référentiel, c'est-à-dire peuvent constituer un groupe de pairs et travailler ensemble sur ce qui fait sens pour leurs codes sources respectifs, en décontextualisant les pratiques qui ont été mises en place et en créant du coup les conditions peut-être de leur réappropriation dans d'autres territoires. Donc on travaille avec l'ADEME d'un côté, on travaille avec Futurible de l'autre, il y a d'autres institutions qui sont dans la partie et voilà les 15 ans à venir en termes de prospective. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages et vos précieux apports d'informations à vous quatre. Merci à vous dans la salle, encore désolé pour les deux questions qui restaient, mais foncez sur eux, ils vont vous répondre en live et en tête à tête. Voilà, il y a une autre session qui démarre à 16h. À tout à l'heure.